Ouais, salut mes beards, c'est Paranon, on se retrouve pour ce 12e épisode sur Watch Dogs. Départ. On est par chez. Donc il fallait qu'on suive la fouinasse. Qu'on a pris l'identité d'une personne. Le menu, Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur? Dans les embouteillages. Ok. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort, et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en autant qu'il vous plaira, monsieur. Alors c'est toi, mon petit cadeau. C'est quoi ton nom? Poppy? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez? Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant! Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non! Non! Ils m'en trouveront. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous n'êtes pas Crispin. C'est pas vous. Je m'appelle Pierce. Elle a voulu me tuer, la biatch. Et le Crispin, c'est de très putain de ouf, le mec. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je ferai tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. Pas mal du coup, pas mal du tout le véhicule, du coup j'ai débloqué automatiquement, ok, c'était cool. Donc j'ai bien fait de partir tout à l'heure, vous avez vu. C'était plus subtil, putain par contre... Ah. Et lui il me rend fou avec ses tripes numériques. Oh putain, oh putain, oh là là, j'en ai marre, c'est bon. Et vous savez quoi, quand je l'ai fait en let's play, jamais je les fail. Quand je l'ai fait en offline, jamais je les rate. Et à chaque fois que je vais pour faire le let's play, pour lancer le let's play, à chaque fois je les fail. C'est un truc de malade quand même. C'est un truc de fou. J'arriverai jamais à les faire ces crimes.
On va essayer de pas trop l'abîmer, hein, même si je vous mens pas, dans 4 secondes elle va être foutue, mais... Toi, il paraît que t'as de la thune sur toi. Eh oui, 6000. Bien? Bien ou bien? Ça va, c'est pas une fusée la voiture un peu là. On dirait une voiture de l'espace un peu là. En fait, elle fait très... années 70 et tout, mais genre... je sais pas, elle a un petit truc futuriste. Elle est super belle, je trouve. Hein. Franchement, elle sort de l'ordinaire en plus par rapport à toutes les voitures qu'on a vues jusqu'à présent. Donc je m'en contente, franchement, je suis bien. En plus, je l'ai débloqué, donc maintenant, elle doit être dans mon garage. Ah, beaucoup de choses aussi que j'ai remarqué. L'IA du jeu, pas mal de gens, en fait, au feu rouge, sans que je déclenche quoi que ce soit, se plantent. Et d'un coup, carambolage, les mecs ils commencent à presque à se taper sur la gueule. Et ce qui m'a fait rire, c'est que les mecs, genre normal, les voitures explosent, ils partent en courant, mort de rire. Donc même sans que moi je trafique les feux, les mecs savent pas conduire quoi. Bon, c'est bon toi ou... Oh là là. Ça c'est les papiers à Marseille, ils conduisent tous comme ça là, à deux à l'heure. Oups, je tapais juste le... Mais franchement, elle est super belle. Bon, la maniabilité, c'est un petit peu dur. Je pense une prise de main, c'est un coup à prendre, mais... vraiment, vraiment bien. Je surkiffe. Bon, il nous amène où, là? Au fin fond de la planète, ou... Ah, il y avait un mec qui avait de la thune. Bon, c'est pas grave. T'as de la chance, je vais pas te piller ton compte en banque. Canalisation. Il y en avait un deuxième. T'es genre plein de thunes, tu dégoûtes ce mec. Les enchères de Queen. Irak doit être à l'intérieur. Il va y avoir des gardes partout et ils vont pas tarder à apprendre ce qui s'est passé chez le concessionnaire. Alors je trouve Irak, je scanne sa plaque et je me tire discrètement. Ça a l'air facile. Mais à mon avis, ça risque d'être tout le contraire. Oh, ils ont des belles bagnoles, hein, les bâtards. Ouh, les bâtards. Les sportifs, les gars. Petite boule au ventre, quand même. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Désolé, monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici. Dites-moi où je peux trouver Poppy. Monsieur Quinn a bien reçu votre demande. Vous inquiétez pas, elle est là. Vous devez connaître les règles fixées par monsieur Quinn. Tout paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé. S'il vous prend l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes, il y a un supplément à payer. Les filles premium peuvent pas être testées. Pour préserver leur valeur, voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et allez-y doucement ce soir, si ça part, on aura du mal à convaincre les autres du service. Nos clients sont plutôt discrets. Ouais, ouais, faites le virement au plus vite. Vous inquiétez pas. Thank you.
C'est Monsieur Crispin. L'accompagne pour voir Monsieur Quinn. Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est le plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Et on m'a dit que vous, vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail? Reste pas là, toi. Monsieur Quinn l'attend. Monsieur Quinn est là-haut, avec Irak. Tout est OK derrière. C'est horrible ce qu'ils font, ces putains de chacals, ça c'est un truc qui me dégoûte, mais... Ouh. La radio est calme, ouvrez quand même l'œil. Yo, le boss vient juste d'appeler. Les hommes de Quinn viennent de se faire buter. Il se passe un truc chelou. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. Deux fois, même s'il faut. Oh, vous avez entendu lui ? Ouïe. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué, il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail, sans en faire toute une histoire. Ouais, mais il manque des gars. Ça, c'est votre problème, monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. Vous m'excusez? Bien sûr. Notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle? Lequel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Mon associé, Monsieur Irak, c'est un soldat loyal. Mais il est jeune. Que voyez-vous en regardant là-bas? Je vois... quelqu'un qui étale son pouvoir. Monsieur Irak voit une vente aux enchères, il voit... une récompense. Et l'expérience m'a appris... à ne jamais me laisser manipuler. Les enchères ont commencé. À ne jamais céder. Je ne détecte aucun accent, monsieur Crispin. J'ai appris beaucoup de choses pour en arriver où j'en suis. On m'appelle Loki, mais la chance n'y est pour rien. Monsieur Crispin, il se méfie de vous. Je sais, allons-y. Viens. Plus près. Ce tatouage. Ils disent qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait? Oui. Je les ai entendus parler de Crispin. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite! Passez par le sous-sol. Viens avec moi. Mais mec, comment tu veux que... C'est quoi le délire? Comment tu veux que je m'échappe? Si le... Ouais, c'est quoi ton... C'est pas ce que j'ai fait à 4 secondes, non? Viens avec moi. D'accord. J'enverrai de l'aide. On reste sur le garde-quai. Thank you.
faut que je me tire d'ici rapidement. J'allais dire comment je... Je vais essayer de faire n'importe quoi, putain. Nouveaux ordres. Irak me contrôle Crispy. Ne laissez pas quitter l'avant, vous le voyez. Oh putain, les trucs d'infiltration, il y en a assez. De faire ça pour passer, ou sinon j'aurais pas pu passer. Je ferais mieux de m'armer. Tout le monde veut me buter en ce moment. Tranquille. J'ai pas compris ce qu'il a fait lui, ce bâtard là, pourquoi il m'a fait ça? Il est où le système? Attends, je suis sûr d'avoir vu un truc. Il est pas sérieux mec. Je viens de détruire toute une... Il a tué son pote. Il a tué son pote. Ah le putain de chacal quoi. Vous le trouvez cet enfoiré. Faut qu'il crève. Mort de rire quand même, bon, il m'a tué de rire. Oh, mort de rire, quoi.
Putain, je croyais que j'allais la voir de là, pas du tout. Ils sont tous en hauteur en fait, ça va être tendu de passer eux. Oh, y'a rien là. Allez, je continue. Je peux pas te lancer au fond. Plus vite que mes balles, enculé. Je cours plus vite que mes balles, enculé. Défoncez-moi ce plus. Vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé. Passez par le côté. Fais mal, hein. Putain, mais nous tire dessus, ce bâtard. Non, non. Je crois que je vais me laisser faire ou quoi? C'est la hesse. T'es la CR, c'est un truc de malade, hein. Ça fait trop trop mal. C'est quoi qui tue? Tu m'as gonflé toi. C'était un masto qui tirait, non? C'est pas possible, le mec il a eu... Il était trop énervé. Il y a un piège, c'est pas possible. Déjà je les spot. Que j'ai vu un sniper là, non? Tu es là. Foiré. Tu crois que je t'avais pas grillé? Ils sont pas tout seuls, hein. Ça pique, il appelle les renforts, ça pique. Oh, ils m'ont fumé, frère. Je pensais que j'allais passer par le dessus, ça allait être easy money. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça, easy. Tu vois, ils rigolent ou pas, les mecs? Ils rigolent rien du tout. Évidemment, ils te font recommencer du début. Putain, on va lui mettre sa race. Ah, putain, on va lui mettre sa race. Bon, faut que je fasse comme tout à l'heure, mais en mieux. Voilà, c'est-à-dire pas me faire griller d'entrée. Ça serait bien.
à l'heure, il était où l'autre? Oh putain, il est là. Fils de... Comment je vais faire pour... Oh putain... Je peux pas aller par là, il faut que je fasse tout le tour quoi. Là je suis concentré, un truc de malade, vous pouvez même pas imaginer là. Parce que le mec s'il me spot une fois quoi, c'est terminé. Faut que j'arrive à lui sans me faire opérer. Oh le mec, il est trop con, je te jure. Baisse pas la garde. Oh. Un de moins. Bon, maintenant on va s'amuser un petit peu avec eux. Et si je mets du blackout et que je me taille. Une sortie par là. J'ai rien de ouf quoi. Monte. Oh, tu montes pas, chacal. Ce que c'est.
Merde, c'est de l'autre côté. Ils m'ont fait flipper ces chacals, hein, un truc de ouf, hein. Oh con. Police, j'écoute, quelle est votre urgence? Il y a une grosse fusillade qui a lieu là, à Brandon Docks, au niveau des barreaux. À toutes les unités, on nous signale une fusillade aux barreaux de Brandon Docks, à toutes les unités. Bon, les flics trouveront ces filles et elles seront en sécurité. Pour ce qui est des acheteurs, s'ils échappent à la police, je finirai bien par les retrouver un jour. Kodo. Je vais essayer de retrouver ces types et utiliser le profiler sur eux. Ça n'a pas été simple, hein. Du moins, ça n'a pas été simple. C'est un truc de fou, quoi. Transformateur. Coup en point 3. Maintenez carré pour surcharger les transformateurs et provoquer d'importantes explosions. La nuit, les coupures. Pourquoi pas. Ah oui, je kiffe. Super boost de piratage et de distributeur. Coup en point. Augmente encore davantage la quantité d'argent obtenu lors d'un piratage des comptes bancaires via les distributeurs. Est-ce que c'est vraiment utile à ce moment dans l'histoire ou je préfère prendre celui-ci pour le moment. On verra après. D'accord. Après ça, je pourrais prouver ce qu'ils ont fait ici et faire tomber toute l'organisation. Monsieur Pierce, Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il faudra appeler la police. Tout ira très bien, je vous assure. J'avais peur que Jackson fasse un truc pareil. C'est bien son genre. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Le voilà. Direct, faut aller choper le petit là. Donc ça c'est une nouvelle mission alors, enquête. Ok, c'est une nouvelle mission qu'ils ont apparu sur le... Et plus on avance, plus on a des petites missions à droite, à gauche à faire et tout. Ouais, ça peut être vraiment intéressant, hein. C'est vraiment kiffant. Vous avez vu, petit à petit la carte, elle commence à se remplir de plein de petits points. Et je n'ai pas encore découvert tous les systèmes CityOS. Faudrait que je le fasse, hein, un petit peu aussi quand je me trouve dans les zones. On va continuer. On a encore pas mal d'actes à jouer. Je pense qu'on le fera vers la fin plutôt, ou je verrai. Surtout que ça prend pas beaucoup de temps en général. Oh putain. J'arrive petit, j'arrive. Tiens bon bonhomme, je viens de chercher. Donc le petit SMS là qui est pas rassurant du tout quoi. Tu m'étonnes, le minot à peine il est sorti, il s'est fait direct pister. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il s'était pas fait pister plus tôt. Désolé. N'aie pas peur, moi. Ouais. Putain, tout ce que je voulais pas faire, je l'ai fait, quoi. Là, j'ai pas mal de collègues qui viennent me voir, là, que ce soit au travail ou sur Internet. Qui me disent ça y est, j'ai fini Watch Dogs. Et je leur demande à chaque fois combien de temps tu as mis tout, ils savent pas. Ils arrivent pas à me dire exactement le temps de jeu. Escorte criminelle, Joseph. Sachant que le trois quarts que. Quand ils me disent j'ai terminé le jeu, c'est ils ont terminé juste la campagne. Hein. Donc là j'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait fait vraiment full campagne, il a fait que ça de A à Z.
Bon, lui, c'est pas trop son style de jeu non plus. Mais il m'a dit ouais, c'était plutôt bien, c'était pas non plus transcendant comme je l'ai déjà dit. Mais franchement, c'est un jeu plutôt kiffant. Moi, j'avoue que plus je joue là, plus je commence à devenir accro là. Je vais pas vous mentir. On est loin d'un GTA, hein. C'est pas un GTA, c'est pas un GTA-like, rien du tout. Les gens qui commencent à le comparer et tout. Même moi, au début, je me rappelle, au début des vidéos, c'est vrai qu'au premier abord, dès qu'on voit ce jeu, on se dit ouais, c'est un GTA-like. Ou... Mais en fait, il a vraiment rien à voir. C'est vraiment deux jeux distincts. Je pense qu'ils ont fait exprès aussi Ubi de vraiment faire les choses au mieux pour que le jeu ne soit pas associé à GTA, même si je pense qu'il y a quand même des similitudes et rapprochements qui font que pas mal de personnes diront que genre voilà, c'est GTA-like ou... J'ai même vu des personnes dire il est 100 fois mieux que GTA alors que c'est, ça n'a rien à voir avec GTA. Et je me rappelle même une licence, une franchise qui avait fait ça, c'était Saints Row. Saints Row qui était beaucoup aussi identifié à GTA, qui par la suite a beaucoup changé son jeu. Et vous le voyez dans Saints Row 4, c'est un truc de fou le jeu, on peut même plus le comparer tellement ils sont trop loin quoi. Ils sont trop loin de tout ça et franchement j'ai bien kiffé ce détachement comme ça. Avec ses super pouvoirs, c'était vraiment un bon jeu, franchement c'est Saints Row 4, un jeu que je conseille, même si c'est un jeu what the fuck. C'est un jeu que si vous voilà, franchement vous voulez le faire en coop avec des collègues, franchement mais allez-y, les yeux fermés, c'est juste des barres quoi. Merde, qu'est-ce que Jackson fait ici? C'est le fourgon de Racine. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde. Ok, il faut que j'atteigne le sommet. Alors excusez-moi encore une fois, pour ceux qui me découvrent, qui découvriraient la chaîne, si vous entendez des petits reniflements. Je fais pas exprès, hein, j'ai des allergies. Du coup, de temps en temps, souvent le soir, je sais pas pourquoi, le soir souvent... Hein. Quelques petits reniflements, c'est... Je vous l'accorde, hein, c'est vraiment pas agréable du tout, pour vous comme pour moi. Mais j'ai pas le choix. D'accord, je me suis direct exploité. C'est un truc de malade quoi. Le A12 quoi les gars. Bon l'autre je l'ai fait un infiltré, celle-là pas du tout quoi. Putain, je me fais allumer là!
Voilà la fameuse canalisation dont je vous parlais tout à l'heure. Un truc de malade, j'ai tout fait péter, c'était un carnage là. Vous avez vu un petit peu ce bordel quoi. De malade, franchement, ça y est, le jeu pas il est easy, mais dès que vous avez toutes les armes là, c'est du n'importe quoi. Rien que la CR et le fusil à pompe là, bon, ces deux armes valent très très cher. Mais dès que vous les avez en main, c'est terminé quoi. Moi je l'appelle le AA12, il s'appelle je sais plus comment, le ATG12 ou je sais pas quoi. Dans l'ensemble, c'est le même délire. Hein, on a compris, vous avez compris les bails. J'aimerais bien trouver le. Ce qui nous mène au toit, s'il te plaît, voilà. Donc petit carnage. Tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu en infiltre. Cette fois-ci, je sais pas. Hein, franchement, je vais pas vous dire je l'ai fait exprès ou pas exprès. Je suis allé au feeling, voilà. Surtout que je me suis fait repérer dès le début. Je voulais pas recommencer. Ok, personne. On va te mettre à l'abri, viens. Allez, Jackson. Allez, viens. On y va. Jackson de me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je deviens? J'aimerais vraiment pouvoir tout expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Écoute, Jackson. Le temps que j'aille m'occuper de ces types. Je veux que tu sois en sécurité. Ça me rendra plus fort. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens. Si je n'ai pas de nouvelles de sa mère très vite, j'appelle la police. Bug, c'est moi. Ah, salut mec. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait au Brick. Et Rack était sur le cul. Mais il croit bien que c'était toi au moins. Ouais, t'inquiète. En fait, il est trop fier de moi.
Et le truc, c'est que je peux pas risquer de l'énerver encore une fois, tu comprends? Il y a un bar pas loin de Rossi Fremont. Je vais laisser quelque chose dans la poubelle à l'extérieur. Un micro. Va le chercher. Écoute, sans déconner, tu lui as foutu la trouille aux enchères. Depuis, personne n'accède au dernier étage sans sa permission, même pas moi. On sera discret. Oh non, vas-y, sérieux. Oh, putain. Quelle cagette, ce mec. Ouais, c'est pour écouter les oiseaux. Bonne petite scène. Je m'attendais à un moment qu'il parle, qu'on ait une petite discussion avec le petit. J'espère qu'il comprendra tout ce qu'on fait. C'est pour lui, sa mère et tout ça. Nous recevons le docteur Phil Edelman. On s'en fout de tout ton truc de psychologie interne et tout ça. Donc écoutez, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très très bientôt sur la Noctu. J'espère que vous l'aurez kiffé. C'est vrai que là, ça commence à vraiment devenir un petit peu fou, hein. L'histoire part en sucette. C'est toujours un plaisir de jouer sur ce jeu. Un crime détecté. Oulalalalala. À 300 mètres. Allez, on va faire ça et après on va se tailler. Comme d'habitude, vous savez que je peux pas me retenir quand je vois un crime. Oh là là. Mon instinct de justicier, ça y est. Non, sérieux, franchement, j'aimerais bien arriver à avoir le succès, peut-être. Qui sait de trouver les 21, je crois, c'est 21 ou les 21 crimes détectés. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on les a hein, si on joue au jeu. Mais voilà, franchement, ça me tâte. Bon, il doit être par là-bas derrière, comme d'habitude. Bien évidemment, je vais me faire spotter juste avant que le mec se pointe. Mais on va quand même le faire, on va voir. On sort le profiler. En même temps, on pirate un petit mec. Ce genre bon. Lui, il est chelou. Non. Ok, c'est bon, spotté. Victime potentielle. Non, par où il va arriver l'autre? Ça, c'est la question. Ah, c'est bon, je le vois. Il regarde bien s'il y a personne. Oh, le bâtard. D'accord. Des robots! Des robots maléfiques! Vous êtes complètement... Vas-y, casse-toi! Foiré. T'as cru vraiment que t'allais t'en tirer? Putain, quoi. Bref, écoutez, les gars. Là, je vois que si la réputation est au maximum, je gagne pas mal de points. Ouais, 500 points en plus. C'est un truc de fou, hein. À chaque fois que je. Vous avez vu, quoi? À chaque fois que j'empêche une personne de se faire tuer, 500 points en plus. C'est pas genre 20 points ou 10 points, c'est 500 direct. Donc, franchement, ça fait grave plaisir. Donc, ça valait vraiment le coup que je monte dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Là bon c'est vrai que c'est plutôt rigolo d'être dans le bon côté. Sachant qu'il faut à chaque fois avoir la... Ben en fait c'est pas que je kiffe d'être du bon côté. C'est que ça donne un petit peu du challenge. C'est vrai que c'est assez facile de voir le mec partir en courant et lui tirer deux balles dans le corps. Voilà. C'est toujours plus dur, plus difficile de courir après la victime et de le matraquer. Je préfère. Et je trouve que c'est un petit challenge à chaque fois. Donc écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis encore merci pour avoir du support, merci du soutien, n'importe quoi. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano. Allez, peace.